Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre émission, bienvenue à l'offrande du soir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Yes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Troisième de Chalcédoine, le quatrième d'Émeraude. Le cinquième de Sardonyx, le sixième de Sardoine. Le second de Saphir, le troisième de Chalcédoine, le quatrième d'Émeraude. Le cinquième de Sardonyx, le sixième de Sardoine. Le septième de Chrysolite, le huitième de Béryl. Le neuvième de Topaze, le dixième de Crispa, le second de Saphir, le troisième de Chalcédoine. Apocalypse de Jean, chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans... Anne, le quatrième d'Émeraude, le cinquième de Sardonyx. Try new Lindor Almond Butter by the Lindt Master Chocolatier. I'm here to start a revolution. Apocalypse, chapitre 21. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. » gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Ceux-là
c'est la seconde mort. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept dernières plaies vint et me parla en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et ses murailles. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chacune des portes était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point pendant le jour, car là il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous saluons dans le nom de Jésus. C'était la lecture d'Apocalypse chapitre 21. Et c'est là que nous avons étudié les 12 pierres. Les 12 pierres de la fondation, des 12 fondations. Alléluia, nous avons 12 portes pour tes noms, 12 tribus d'Israël, 12 fondations pour tes noms, 12 apôtres. Donc, fondation en Kaï, c'est celui qui est là. Donc, à l'église, là, encore, il est campé sous fondation. Si j'ai été dit Éphésiens chapitre 2, verset 20, vous avez tous été élevés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Donc, une fondation, mais vous premier roche, première pierre, la première roche là. C'est presque quelqu'un qui va faire une fondation pour bâtir une destruction, c'est pierre angulaire là, c'est Jésus-Christ, mais fondation, hein, c'est sur l'apôtre que l'Église a fondé, Éphésiens 2, verset 20. Père très saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, nous humblement prosternés devant et nous remercions d'être encore Seigneur, ou fais-nous encore grâce au Kimbenou, dans la présence jusqu'à 7 heures. Alléluia. Ou fais provision pour nous capables de respirer, ou fais provision pour nous capables, alléluia, déplacer, ou fais provision pour nous capables de vivre jusqu'à présent. Et dans le moment ça, nous levons encore chaque monde, alléluia, qui est branché. Dans l'étude, ça demande que cet esprit va combler nous de grâce, de bénédiction et de faveur.
Mwenke anko Seigneur Dieu, nou va béni et béni à salut au cours de étude ça. Béni nous, nous levez Christi Lia Jean-Pierre devant, Monique Jean-Baptiste, j'ai branché. Alléluia, Yves estimé, c'est Ignace, Sonia Boao, alléluia, alléluia, Marie Lebrun, alléluia, et Mireille Pousseli, nous levez encore Véli, Mariam, Hector, nous levez Josie Michel devant, c'est Matt Célestin, Marie Carmel et Doisin. Visitez pour nous, Seigneur, Gerline Paul, pas oublier encore Cathy Joachin, Sheila Morin, fait grâce à Audeline Saint-Éloi, Mavel Renaud, dans le, qui a encore quitté à la première, fait grâce, Seigneur Dieu, nous comptons sur vous. Nous, on prend autant pour vous, va visiter, nous va avec nous au cours de l'étude, ça. Mais Bernite Massena, non, mais au Seigneur Dieu, va visiter au Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, pas oublier Chantal Pierre Roulin, qui est l'hôpital qu'on est avant douleur atroce. C'est vous-même qui êtes capable, non seulement d'aller en analgésie, médicaments, mais c'est vous-même surtout qui êtes capable de guérir, parce que c'est vous seul, ou encore, ou guérir, pour guérir quelle que soit votre maladie, pas rien qui est impossible à vous-même. Nous comptons sur vous et nous prions dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Comment nous y est là? Comment y est là, Bernite Massena, dans Florida? Cécilia, comment ça tout? Alléluia. Non, encore Sonia Boao, ma chérie, Pastor Appreciation Month, this month, ok. Yes, nous levez encore Rumelange, Germain, bonsoir, bonsoir. Comment nous y est? Yes, nous, by bon Dieu, gloire, pas oublier, nous, on a 70 jours de réveil, là. Il y a quelqu'un qui oublie, oui, là, il y a quelqu'un qui oublie. 70 jours de réveil, là, puis continuer, chaque soir. Cette semaine, c'est Pasteur Moyen, yeah, Luc Ney Moyen, qui a fait frappé pour nous. Semaine ça, à la gloire de Dieu. Et puis, l'autre semaine, nous, encore, jour, il y a pas chez Tikal, pas Tikal, chaque jour, nous, qui marque nous. Nous avons remis le calendrier au propre pour nous capables de nous très clair là-dedans, dans le nom de Jésus. Et puis, nous avons sept dimanches de consécration, nous avons continué. Dimanche, si je veux, c'est la quatrième. Et dans ce cas-là, nous venons tout de blanc. Et puis, dans le jour, nous demandons pour tout le monde, pour nous être capables de prier avec chaque monde individuellement. Donc, chaque monde, nous avons une chance pour capable de prier avec individuellement. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, il y a un nouveau bébé. Congratulations, baby boy, baby girl. Congratulations, bénite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Yes, yes. Pas de encore demain soir, c'est vendredi, nous avons le quatrième vendredi du mois. C'est nous gagnons ce groupe Eternal Nourishment qui est sur sa veille de nuit. Encore, il n'y a pas encore fait ce qu'on appelle donc pour appeler Fondation Crazy Girl. Il y a ces Baby Girl Crazy Fondation. Et Baby Girl Bennett, congratulations. Yes. Encore, donc demain soir, tant tout le monde venir en kaki. Et puis, vous pouvez participer dans la tout le monde. Chaque monde a compris une fondation, spécialement qu'on peut arriver, debout arriver dans le mois de ça. Dans le mois fin octobre, pour arriver jusqu'à 6 janvier, c'est encore, c'est moi la mort. Moi la mort. Il y a encore moi la mort, moi mauvais rêve, moi attaque, moi mon tombé subite. Donc, vous avez besoin encore de créer fondation. Alléluia, par la prière, avec bouche, vous avez pouvoir, avec bouche, pour pouvez faire ça. Karine Cantav Chalot, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et puis c'est ça encore, lundi si je veux, c'est Halloween. Nous pas encourager les chrétiens pour étimonier dans la fête Halloween, non, parce que c'est une fête diabolique. Donc nous approuvons porte l'église pour les parents qui t'avaient, qui pas qu'un bébé c'était, qui t'avaient venir encore recevoir ben, nos étimonier. Alléluia, nous avons recevoir étimonier l'église, nous avons programmé socialement pour eux. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc c'est votre serviteur Alfred Joseph. Pour l'offrande du soir, pour l'offrande du soir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons entrer directement dans l'étude noire. Nous allons étudier directement et Pierre. Nous allons prendre au Jean Yoye. Dans le livre là, même vous voyez, nous, matin, allons checker. Non. Et de vous aller checker. Non.
Galerie m'a vu ce nom. Eh bien, on t'y musique, on t'y va, on t'y problème là, d'ailleurs. Ben, viens sur un petit moment, ben, on t'y chance. Konnen nou pa fò nan teknoloji ak lap kale nou la. Ya wèl bloke mbou li ou, men mèm ap pase li kanmèm, men li. Mèm si ou bloke, mèm ap pase li. Gè lò tan batande li.
souhaité finir. Mais Jésus ressuscité. Mais ma vie ou non, mais Jésus ou à point de solution à ma maladie. Bon, nous retournons encore là, t'es un petit problème technique, internet t'as été couru aller, bon, c'est comme ça. Non, on connaît tout en, c'est sur la terre, nous, et quand tout un petit problème ça y est. Mais quand on va arriver dans le royaume des cieux, pas bien ça encore. Ma petite Dieu Pierre, yo, pas encore, j'ai aussi cité, yo, et dans l'Apocalypse chapitre 21, hein, les fondements de la muraille avec les 12 fondations, les 12 pierres. Premier pierre que nous jouons, c'est jaspe. Le jaspe. On n'a pas parlé de jaspe. Et c'est encore jaspe. Nous avons joué, c'était deuxième pierre qui était dans la quatrième rangée, dans la pierre précieuse, qui était encore et, dans le pectoral. Là, nous avons encore non déjà, et nous arrivons dans la pierre pectorale. La dernière pierre pectorale, là, c'était jaspe. Pierre ça, il y a une couleur variée. Nous avons dit où il y a une couleur vert foncé, transparent, avec des veines rouges là-dedans. En pierre, en vert foncé. Jaspe là, son vert foncé. Et puis, on dit encore, dans fondement, fondation, hein, premier fondement, il était en jaspe. Et en vert foncé, transparent, avec des veines rouges là-dedans. C'est ça, il dit, et encore, avec rouge là-dedans. Pierre, ça, de couleur variée, capable de distinguer de toutes les autres par complète opacité. Même en plaque très mince, il lui encore lui pas laissé lui traverser par la lumière. Encore aucune lumière pas capable traverser pièce ça. Étant ainsi impénétrable, lui encore lui c'est image de la gloire de Dieu dans l'impénétrabilité de son être. On dit parce que pièce ça son pierre qui est encore opaque. Alléluia, il pas laissé pénétrer par la lumière. Eh bien, il est le symbole de la gloire de Dieu qui n'est pas capable que rien, pas capable de pénétrer la gloire de Dieu. Alléluia, c'est l'image de la gloire de Dieu impénétrable. Encore, il habite la lumière inaccessible. Encore, lumière inaccessible. Lui, qu'aucun des hommes n'a vu ni peut ne voir. Donc, bon Dieu, encore la lumière de Dieu, aucun monde pas capable de voir et aucun monde pas capable d'entrevoir. Pas capable de voir, pas capable encore. Mais auquel mystère insondable. Ce Dieu a été pleinement révélé dans la personne d'un homme. Soyez encore, quand je dis je suis encore lumière là, lumière inaccessible là, mais il est venu dans le monde, il est incarné. Alléluia, et nous capables de dire, c'est dans ce sens, dans Jean 14 là, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Cette lumière qui était impénétrable alors dans son être, c'est la gloire de Dieu. Cette gloire a été révélée par Jésus, alléluia, manifesté, c'est Jésus manifesté en chair, c'est lui qui par nous devant Dieu dans toute l'excellence de sa personne et dans toute sa puissance de son amour, gloire là va briller bientôt dans tout son éclat dans la Jérusalem céleste là, là encore il va visiter encore, elle sera visible, hein, il va visible dans l'épouse, la femme de l'agneau pendant le brillant règne de 1000 ans. Lumière, ça va visible à travers l'épouse. Encore, c'est lui qui va allumer la protection de cette glorieuse cité. Et c'est Dieu lui-même qui va manifester en Christ, qui est la solide base de toutes nos bénédictions pour l'éternité. Alléluia. Donc, c'est première pierre qui pourra orner fondation cité céleste là, que la foi d'Abraham t'est déjà ouais de loin, il t'est salué, c'est encore le jaspe. Couleur vert foncé, transparent, avec des veines rouges là-dedans. Deuxième fondation, hein, le second était de saphir. Le second était de saphir. On a checké saphir là,
pour nous gagner toute la devant nous dit pour nous checker marquer les pierres précieuses dans la Bible, marquer les pierres précieuses dans la Bible et puis garder ça qui point biblique quest là pour que nous pique les là-dedans. Les pierres précieuses dans la Bible dans Google et puis point biblique quest là et puis l'officier va arriver là-dedans et puis on va voir là. Donc 1.6 là c'est le saphir. Le saphir c'est deuxième pierre dans ce qu'on range dans pierre pictoral là. Alléluia. Et c'est quand j'ai nous marché avec encore et pictoral à Aaron, hein, c'était deuxième pierre qui était là-dedans et nous était de chaque pierre ça y était porté une tribu. De voir ça matin, hein? Nous allons quitter retourner sous lui là. Yes, encore. Nous te dis encore là, nous avons encore pierre ça tout. Mais c'est deuxième pierre aussi dans et Apocalypse chapitre 21, dans deuxième fondation. Nous dit pierre ça, il était connu dès la plus haute antiquité. Pierre saphir là. Encore lui-même, il a une couleur bleu azur, alléluia, bleu azur, presque transparent. Son bleu azur, alléluia. C'est même jeune capable petit monde qui n'a bêtise, c'est bleu bêtise là. D'accord, là c'est bleu ça, il s'est révélé. Pas encore qu'on connaît ça au Mabdou là, non. Là il s'est révélé moins couleur ça. Parce que maintenant 12-74 ans, nous étions en capette rouge, toute barrette encore. Même genre toute l'église qui est en capette rouge là. Et puis le Seigneur vient révéler un bleu ça. Il vient révéler pour nous capable faire drapeau. Là, encore drapeau ça. Encore si vous voulez savoir, tu viens dans 12-80, nous te mettons capette bleu marin, ni en bas, ni en deux, dans moitié. Deuxième étage là, c'est bleu ça, il s'est révélé. On laisse bleu et blanc. Et là, c'est juste après, je vais étudier. Je vais encore couler le drapeau, le ciel, bon, noir, blanc, et puis encore rire avec bleu, roi, et puis écriture devant. C'est même genre avec couleur pour le drapeau Israël. Là. Mais bien, depuis dans l'Antiquité, pierre ça, il était tout connu. Elle était pour les anciens la pierre sacrée par excellence. La pierre saphir, c'était la pierre sacrée par excellence. Encore, nous dirions encore de grande valeur, encore, d'excellente valeur encore aujourd'hui. Sa couleur bleue suffit de nous faire connaître quelle est sa signification symbolique. C'est la couleur du ciel. Le bleu, c'est la couleur du ciel. Elle est en contraste avec l'émeraude verte dont nous avons déjà, encore qui est l'emblème de la gloire terrestre du royaume. L'émeraude, c'est la gloire terrestre du royaume. Et la couleur verte, c'est la nature. Mais tandis que encore, le saphir, c'est pas la nature, mais c'est le ciel. C'est le bleu d'azur, c'est le ciel. Alléluia. Et dans l'escabouc, nous te vois quelque chose. Et alléluia. Dans l'escabouc, là, nous te vois quelque chose que Christ accomplit, son service au sein de la plus ardente souffrance. Alléluia. Donc, c'est comme ça nous rejoignons encore dans Pierre, ça. Alléluia. Le contraste est grande entre l'ardeur des souffrances que nous parlons, la bouche, la paix, le repos, la gloire. Alléluia. Dont le saphir, c'est l'image là. L'image là, le saphir, c'est l'image là. Nous dit encore Pierre, ça, c'est encore et Pierre, ça, que nous déjoignons. Nous là encore un thème inépuisable de méditation, un sujet adorable pour l'éternité. Le saphir aussi, c'est la deuxième pierre qui orne les fondements de la Nouvelle Jérusalem. C'est une cité céleste. Donc, saphir. Nous déjoignons côté l'autre pierre là, troisième pierre là, c'est le Chalcédoine, la troisième fondation. Hein? Yes. Troisième, non, c'est Chalcédoine. Chalcédoine, non, tout, il y a une couleur bleu ciel. C'est bleu d'azur, ça, c'est une couleur bleu ciel translucide. Chalcédoine, alléluia, il y a une couleur bleu ciel et puis translucide. Alléluia. D'après, elle prend Chalcédoine, non. Un petit jambou là, il faut un petit checker sous bien avec moi. Non, puis nous prenons, nous pas prendre un autre qui gagne dans et nous prenons ça 1.13. Nous encore nous occuper des pierres qui ornent le pectoral, encore nous prenons bon coup de rappeler sur 6 autres pierres ça qui ornent les fondements. Pierre Chalcédoine nous pas joindre dans pectoral à Raon, mais c'est seulement dans fondement de Jérusalem céleste là. Il n'est pas figuré sur le encore pectoral. Donc, Chalcédoine, non, il n'est pas dans le pectoral à Aaron. Sur la première est la Chalcédoine qui est la troisième fondement de cette glorieuse
demeure d'Arche. Ce qui caractérise Pierre ça, encore cette pierre, c'est sa blancheur. Alléluia, c'est qu'on laisse son pleur, c'est blancheur. Le bleu ciel, ben, du grand blancheur. Il est presque inutile de faire remarquer qu'elle nous rappelle la parfaite sainteté de ce lieu. La Chalcédoine, c'est la sainteté de ce lieu, la sainteté parfaite de ce lieu, côté le mal, pas jamais capable de pénétrer. Il n'entrera jamais aucune chose souillée, ni ce qui fait une abomination ou une mensonge. C'est le mal, le péché, qui a toujours été la cause de la ruine de tous et ce qui a établi dans le monde. Le mal étant à jamais éloigné de cette enceinte sacrée, dont sa stabilité subsistera à toujours. Contraste cela sera grand avec les cités de ce monde où le mal est allé en grand jour. Alléluia. Et côté n'a côtoyé le mal à toute journée. Mais, couleur encore dans le fondement, ça, quand Chalcédoine qui fait une troisième fondation, hein, mal pas capable de pénétrer. D'accord, c'est encore c'est la sainteté. D'accord, mal pas capable de pénétrer. Donc, de jeunes pas joindre. Bleu, saphir là, parler de sainteté. Encore Chalcédoine parler de sainteté. Tous les deux parler de sainteté. Ensuite, nous allons prendre l'émeraude. Nous n'avons pas l'émeraude là, c'est une couleur vert. Alléluia. Nous avons dit l'émeraude là, c'est vert vif. C'est parce que c'est la nature. D'accord, c'est d'accord. L'émeraude, c'est la troisième pierre. Encore dans le pectoral, là, nous avons l'émeraude là, dans le pectoral, là, comme troisième pierre. Et puis, c'est quatrième pierre dans la fondation Jérusalem. C'est une pierre bien connue par sa couleur, donc beau vert. Comme l'herbe des champs. Quand elle est d'une belle nuance, sans défaut, elle occupe un des premiers rangs dans la hiérarchie des pierres précieuses. Elle en est une des plus rares et des plus admirées. Donc, pierre, ça, son pierre qui est plus rare et plus admirée. Sa couleur verte nous fait nécessairement penser à la terre, en contraste avec le bleu qui est en couleur saphir, là, qui est le ciel. C'est l'emblème de la gloire terrestre du Messie d'Israël. Ok, so, c'est sur l'herbe verte que le Seigneur a fait asseoir les foules quand il était rassemblé dans Marc chapitre 6, 39. C'est sous cette verte là, de fait pour la chita. Alors, c'est le symbole de ces émeraudes là. Il était accompli la prophétie de Psaume 132, 15 ans qui était annoncé à l'avance que le Messie va rassasier du pain les pauvres de son peuple. Donc, dans ce moment, il a commencé les miracles qu'il opérait encore d'une manière plus grande. Encore, il va faire plus de encore dans le siècle à venir. Alléluia. Dans le siècle à venir. En ce jour-là, il répondra sur son peuple avec abondance une bénédiction qui n'a jamais gagné depuis le commencement jusqu'à présent. Une bénédiction qui va étendre sur toute la terre. La verte émeraude, là, c'est donc l'emblème de ce beau règne de mille ans. Donc l'émeraude, là, encore fondation ça, c'est emblème du règne de mille ans. Alléluia, dans cet emblème du règne de mille ans dont nous parlent les prophètes, et ils rendent témoignage des souffrances et des gloires qui devaient être la part de Christ. L'Éternel, en lui parlant, dans sa promesse, s'accomplira certainement. Les souffrances sont passées. Que reste-t-il donc? C'est la gloire. La gloire. Donc, elles vont être manifestées aux yeux de tous dans le monde, même encore où il a été couronné. Dans le monde de sécurité couronné, cette gloire va être manifestée. Donc c'est encore l'émeraude, couleur vert, encore vif là, eh bien c'est la gloire terrestre du Messie d'Israël. C'est la gloire terrestre du Messie d'Israël. D'après le point encore et cinquième pierre là, c'est le sardonyx. Cinquième pierre là, c'est le sardonyx. Alléluia. Ou encore, j'ai presque même genre avec Sardouane. Alléluia. Sardonyx. Vachez-vous, non? Sardonyx, là, il y a une couleur rouge clair. Le Sardonyx, c'est la cinquième pierre qui ornait les fondements de la Jérusalem. Cette pierre a souvent été confondue avec Sardouane. Parce que tous les deux, presque même couleur, il y a une rouge clair, il y a une rouge vif. Sardouane, rouge vif, il y a une rouge clair. C'est pour ça qu'il y a une confusion dans la ressemblance de leur nom et aussi le fait que tous deux ont du rouge mélangé à une autre couleur. Tous les deux ont rouge dans eux qui mélangent. Et encore tous les deux, il y a une confusion dans le nom, Sardonyx, Sardouane. Et puis encore tous les deux, encore un rouge qui mélangé à une autre couleur. Mais ça qui est occupé de gravier, de pierre précieuse, il faut faire une différence bien marquée entre deux pièces à eux. Dieu, encore, alléluia, est beaucoup plus précis que nous. Et nous pensons encore dans les mots qu'il emploie dans sa parole, alléluia, et dans les images dont il servit pour nous capables d'instruire nous.
Nous gagnons le mot sort, S-A-R-D, alléluia. Après les dieux des savants, minéralogistes, vient d'un mot très ancien qui veut dire rouge. Donc, sardonyx, là, il sortit encore dans sort, qui veut dire rouge. Nous avons vu dans la sardoine la couleur rouge et celle de l'or. Ici, dans sardonyx, là, nous avons vu une pierre rouge, couleur de la chair sanglante. Alléluia, avec celle de l'onyx. Alléluia, on va jouer l'onyx, là, il est rouge tout. Alléluia, l'onyx, là, nous va jouer le rouge tout. Alléluia, tout ça, onyx encore. Sard et onyx, qui vont voir le sardonyx, ils réunissent un seul mot. Là, on prend sard, onyx, pierre sard, rouge là, et puis pierre onyx là, ils réunissent tous les deux ensemble dans un seul mot, qui va nous encore pierre sardonyx là. Alléluia, cette pierre. Donc, ces deux couleurs nous rappellent le meurtre de Christ, le sang rouge, la violence, la méchanceté et la mort qu'il a endurée de la part de sa créature. D'accord, si d'un côté le sardonyx rappelle ce que l'homme a fait, de notre côté cette mort est la base sur laquelle repose la paix et la bénédiction des rachetés dans l'éternité. Dieu est plus grand que l'homme, si ce dernier a donné la mesure de sa méchanceté à la croix, c'est là aussi que Dieu a donné la mesure de la grandeur de son amour. Donc il pourra le bêter pied ça encore dans la fondation. Donc tout ce soutien dans sardonyx là, nous rejoignons sa douane. D'accord, sorti dans sardonyx là, nous allons jouer le sardouane. Alléluia, sardonyx, et nous allons jouer encore le sardouane. Alléluia, qui nous jouons dans. Scaboul, numéro, topaz, côté sardouane. Il y a sardouane là. Sardouane. Sardouane, il est mentionné qu'une seule fois dans les Écritures. C'est elle qui est la première de la pierre rangée des pictorales. Ok? Et encore, Exode 28, 17 là. Et puis, c'est lui-même tout, nous pourrons joindre notre bois qui semblait avec sardonyx là. Côté, il pourra le confondre, il de ça. Alléluia. Mais il pourra le confondre sardonyx là avec sardouane. Alléluia. Encore, nous avons la même nomenclature. Il ne faut pas confondre la sardouane avec la sardonyx dont nous pourrons l'occuper plus tard. C'est en pierre rouge et jaune, pierre sardouane. Alléluia. En d'autres termes, il y a la couleur du sang et de l'or. Couleur sang et de l'or. Deux couleurs ça est associé encore dans une même pierre. Alléluia. Il parle nous de deux vérités qui sont intimement liées l'une à l'autre. C'est la valeur du sang de Jésus et la justice dont le coupable est revêtu en vertu de l'efficacité de ce sang. On dit que sardonyx là, il parlait de la valeur du sang de Jésus et puis il parlait de la justice que monde qui coupable a les revêtu en vertu de l'efficacité de ce sang. À cause de sang Jésus a, encore efficacité sang Jésus a, fait nous revêtu de la justice avec sang. Donc l'or là lui-même étant dans les Écritures l'expression encore de la justice divine. L'or c'est l'expression de la justice divine. C'est par ces choses que nous commençons nos relations avec Dieu. Il ne peut être autrement. En vertu de la valeur inestimable de ce sang, le plus misérable pécheur capable de recevoir, justifié, blanchi, sans nulle tache et au jet de tout l'amour. Alléluia. Et ce pécheur sauvé, rendu parfait à perpétuité, est devant ses yeux comme un joyau précieux et qui reflétait quelques rayons de la gloire de son cher fils. Nous comprenons donc pourquoi la première pierre du pectoral c'était sardoine. Dieu encore lit beaucoup plus précis que nous le pensons dans la portée des mots et des images, etc. Et nous sommes capables d'admirer sa parfaite sagesse aussi bien les œuvres de sa création qui dans sa parole demeurait éternellement. Donc encore la sardoine, lui parlait de la valeur du sang du Christ et la justice. Alléluia. Et puis, etc. Donc encore sans Jésus. Et puis justice là, et parce que l'or là, c'est symbole de justice. Donc encore, nous dit sardoine, les mélanger avec encore pierre rouge, jaune, rouge là pour sang, et puis jaune là pour l'or. Donc encore, c'est la valeur du sang de Jésus et la justice. Alléluia pour encore sardoine. L'autre pierre là, nous voyons maintenant, c'est le septième, c'est le chrysolite. Septième pierre là. C'est chrysolite. D'abord, il faut chercher puis chrysolite là pour vous. Je suis encore là, sur la page là, sur tes joignes. Après, marcher avec moi parce que nous prenons l'ordre qui est dans
et Apocalypse 21, qui ça c'est chercher, bon, on cherche. Donc, je vais c'est 1.11. So, la chrysolite. Nous avons, nous arrivons maintenant à la quatrième et dernière rangée dans Pierre Pictoral. Avec la chrysolite là, Pierre Salite dans Pictoral à Aaron. Encore, exoncez Pictoral à Aaron, c'est Exode chapitre 28, pour ne pas oublier ça. Alléluia. Puisque nous avons pu voir dans les trois premières rangées, les quartiers des trois premiers évangiles, okay? Nous sentons autorisés à voir ici encore les choses qui concernaient le Fils de Dieu. Quatrième évangile, Jean parlait du Fils de Dieu qui fait connaître d'une manière si précieuse. Première pierre de cette rangée est donc une chrysolite. Nom de cette pierre signifie pour nous en donner le caractère et la signification. Chrysolite, son mot qui est composé de deux mots grecs, chrysos qui signifie l'or et lithos qui signifie pierre. D'accord? Chrysos, pierre, pierre et l'or. Donc c'est donc la pierre d'or, chrysos, chrysolite, c'est la pierre d'or, chrysos, d'accord, lithos, chrysos, pierre, chrysos, d'accord, et chrysos, et l'or, chrysos, l'or, lithos, pierre, c'est encore la pierre d'or, c'est donc la pierre d'or, et elle en a la couleur, donc nous ne devons pas, d'accord, et même encore, nous avons besoin encore, et Nous n'avons pas besoin de confondre avec la topaze. Donc, nous avons encore la topaze là. Et nous avons une topaze là qui est jaune ou vert pâle. Mais chrysolite là, c'est jaune ou vert bleu. Alléluia. Jaune ou vert bleu. Alléluia. Tout de voir jaune là, c'est l'or là-dedans. Ok? Topaze là, c'est l'or là-dedans. Tout ressemble entre topaze là avec chrysolite là. Donc encore, car avec la, la composition est différente, de même que son caractère symbolique. La topaze est donc l'emblème de la manifestation publique et la gloire de la justice de Dieu. Donc tout trouvez ça, topaze, c'est la manifestation et l'emblème de la justice de Dieu. Quand le Messie d'Israël va établir son règne de justice, de paix, roi de justice, roi de paix, même j'avais encore Melchisedec, roi de Salem. Encore ici, nous avons gagné la manifestation de cette justice dans le monde. Quand le Fils de l'homme est venu ici-bas de la, encore, lui encore, qui est la parole qui a été faite chair, ce n'est pas tant de côté l'application de cette encore justice coupable que la manifestation de cette justice. Donc nous pouvons joindre côté, alléluia, encore, et nous voyons cette pierre dans les roues du char du gouvernement de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 1, verset 16. Alléluia. Roue, char. Encore, Ézéchiel, tu vois, Ézéchiel 1, verset 16 là. Il te voit encore, roue à te gagner, encore, et couleur chrysolite. Dans nos lits, encore, témoin, comme, me font-ils oublier les premières visions Ézéchiel là. Il y a longtemps, pas c'est bon, il te mal lit encore. Ézéchiel chapitre 1, verset 16. Ézéchiel 1er, verset 16. Ézéchiel 1er, verset 16. OK. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être en milieu encore. Wow. Donc, encore pierre qui était dans roue chat. Les amis, où? Chat. Alléluia. Ézéchiel était ouais, hein? Et encore Pierre, tu es en chrysolite. Mes amis, Ézéchiel chapitre 1er, le verset 16, tu es en chrysolite. Ya, yeah. Alléluia, c'est Pierre ça, encore en chrysolite, encore, etc. C'est dans quoi nous dit les roues du char du gouvernement de Dieu. C'était les roues dans le char du gouvernement de Dieu. Yeah. Les hommes n'ont rien voulu de cette justice. Quand tu manifestes en grâce dans la personne de Jésus, encore en retour, il y a que pour apprendre encore ce qu'on appelle le son jugement. Quand le jugement de Dieu soit sur la terre, les hommes vont apprendre la justice. Donc nous prenons encore chrysolite là, c'est la pierre d'or. Encore c'est la pierre d'or, et alléluia, qui pourrait parler nous de encore et de la justice, d'accord, et le gouvernement. Donc nous prenons encore après chrysolite là, nous prenons et l'autre pierre là, huitième pierre là, c'est le béryl. Béryl là, il y a une couleur vert bleu. Le béryl, il y a une couleur vert bleu. D'après chercher béryl là, là, ouais, après, et Sadouane, Cassédouane, le béryl.
Yes, ah, juste en bas là. De Béryl. Béryl, là, c'est l'aigle marine oriental. Alléluia, c'est une pierre bien connue aujourd'hui. Il y en a celle qui nous voit le plus souvent dans les étalages des bijoutiers. Nous jouons une pierre ça, dans l'étalage bijoutier. Ce mot aigle marine signifie l'eau de mer. Donc, il, sans nul doute, hein, provient de sa couleur vert de mer. Donc, c'est encore Béryl, là, vert bleu, couleur vert de mer. Dans cette particularité voulue du Créateur, bon Dieu te voulait comme ça, alléluia, nous encore que nous avons cherché sens symbolique là, nous savons que dans les Écritures, la mer représente les nations dans leur agitation. C'est comme ça, un symbole nation, la mer, c'est les nations qui sont encore agitées. Somme Dieu te dira pourquoi ce tumulte parmi les nations. Donc encore, et c'est pour ça, et c'est la nation qui est agitée qui est dans la mer. De regarder dans l'Apocalypse chapitre 13, la bête qui sortit dans la mer, c'est symbole des nations. Jamais elle n'est dans un parfait repos. Et souvent, elle est soulevée par la tempête. La mer n'a pas jamais un repos parfait parce que n'importe qui vent les soulever. La mer n'a pas jamais cru. C'est dans tel milieu que Dieu prend de pauvres êtres misérables pour être capable d'introduire la Jérusalem céleste. Il en aura de toutes tribus et langues et peuples et nations. Objet les uns les autres de la merveilleuse grâce de Dieu. Quel repos sera le leur après tant de troubles et d'agitation et de détresse? Yes. Le Seigneur prend pour nous dans le trouble, dans la mer là. Alléluia. Pour qu'il mette nous encore dans un repos. Il montre ça encore. Alléluia. Encore, il monte aux cieux, il descend aux abîmes. Leur âme était encore dans la détresse. Nous jouons ça dans Somme 107 là. Alléluia encore. Et encore, ils montent aussi, ils descendent dans l'abîme. Leur âme était éperdue. Au fond de la terre, ils tournent et chancelent comme un homme ivre. Toute leur habileté encore était venue comme néant. Alors, ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse. Et l'Éternel l'a déjà délivré. Il les a fait sortir de leur détresse. Il arrêta la tempête et changea en calme. Et les eaux se taisent. Et se réjouissent de ce que les eaux sont été apaisées, et les conduit au port désiré, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Somme 107, 26 à 30. Il y a parlé de l'agitation à cause de ce monde, les nations qui agitaient, même j'avais l'emmerde, c'est pièce ça. Donc, pièce ça. Quel doux repos sera à la part des heureux habitants des demeures célestes, mais surtout société agitée, comme des nations agitées, comme l'œuvre de la mer agitée, eh bien, le doux éclat du béryl, c'est une belle image. Quel Dieu, que celui qui a fait éclater ses merveilles dans les eaux profondes. Il pourrait porter encore ce qu'on appelle un repos à tout le monde qui est agité. Après Béryl, là, nous pourrions joindre Topaz, on va mal prendre Chrysophrase, là, qui marche avec Chrysophrase, qui semble avec l'autre, là. On va mal prendre la Topaz, hein. Yes. Tout pas ça, nous jouons dans Pierre qui orne et pectoral à la ronde. Hein. Il était aussi 9e Pierre qui orne fondement, c'est 9e Pierre fondement Jérusalem, non? Apocalypse 21, verset 20. Hein. Il est tout évident que nous avons ici la topaz des anciens, dit topaz oriental, rarement maintenant, mais bien connue dans l'Antiquité. Elle est d'un beau jaune d'or, depuis qu'on jaune là-dedans. Je veux encore tout pas aller en couleur jaune ou bien vert pâle. Depuis qu'il y a jaune là-dedans, c'est encore c'est l'or. Il brille comme un rayon de soleil, disent ceux qui le connaissent particulièrement cette merveille de la création. Quand on est d'une belle qualité, il atteint un prix considérable. Cette couleur d'or reflétée dans une pierre précieuse, ainsi que nous l'avons déjà dit, est l'emblème de la justice de Dieu. Donc, tout le côté nous est l'orio. L'or, c'est symbole de la justice de Dieu. Alléluia. Il brille, et encore, c'est symbole de la justice divine. Dans la sardoine, nous devons encore, c'est l'expression de cette justice qui justifie le coupable en vertu du sang de Jésus. Nous devons sort, et puis onyx, encore, qui devient rouge vif là, encore, qui justifie nous par le sang de Jésus sur la croix. Et si la topaze, est plutôt l'emblème de sa justice manifestée en gloire d'une manière visible, publique, quand le Messie paraîtra aux yeux de tous. Donc c'est ça que topaze a, et c'est cette gloire, alléluia, qui va manifester visible, cette gloire qui va manifester publique, quand Jésus encore va paraître aux yeux, et encore, quand il viendra comme le soleil de justice, il va porter la station à la santé dans ses ailes, il va éclairer le monde de ses brillants rayons.
La justice de son peuple coupable sera revêtue, ne sera-t-elle pas le rayonnement de la gloire de son Messie? Dans ce jour-là, Israël sera placé à la tête des nations sous le puissant sceptre de son roi de gloire. Quand il y aura du porte, élevé vos linteaux. Élevez les portes éternelles que le roi de gloire fasse son entrée. De ses justices, lui qui va briller d'un vif éclat aux yeux de tout l'univers. C'est dans ce nom, non pas c'est ça qu'a prié la brillante, mais encore la brillante de, encore, la, de la topaze, etc. Cette topaze-là. Sautez dans la topaze-là, et puis on va descendre dans l'autre pierre-là. Neuvième pièce de topaze, dixième dans ces chrysophrases, pour ne pas confondre avec chrysolite. Nous avons chrysolite, il y a encore et chrysos, encore et litos là, encore chrysos, ça c'est l'or. Donc on a là où on est dans chrysophase là, il peut avoir l'or là dans tout. La chrysophase est la dixième pierre qui orne les fondements de la Jérusalem. Nous pas joindre dans fondation dans pectoral là. Son nom encore le caractère encore de nous faire connaître le sens symbolique. Ce mot chrysophrase là provient de deux mots chrysos là que nous était déjà ouais dans chrysolite là qui signifie l'or et prasos qui signifie poireau. Encore les allusions à la couleur d'un vert grisâtre du poireau. Même pas nous tout nous servent avec poireau. Donc c'est encore chrysophrase, là, c'est chrysos et prasos qui prend couleur encore l'or, mais l'avait poireau. L'or, mais l'avait poireau. C'est donc une pierre qui a la couleur de l'or vert. Cet or vert se trouve dans le passage remarquable de Somme 68-13 là. Encore, quoi que vous avez été couché au milieu des étables, vous serez comme les ailes d'une colombe couverte d'argent et dont la plumage est comme l'or vert. Il est évident que ce sont des images, mais ce ne sont-elles pas merveilleuses? Une colombe est une étrange, est étrangère à tout, sauf dans son nid. Dans la colombe de Noé ne trouvait pas un lieu pour le capable de reposer plat de pied et lit, mais dans un monde sur lequel se trouvait encore le jugement de Dieu, il n'était chez elle que dans l'arche qu'elle avait été le moyen de sa délivrance. Alléluia. Oh, si j'avais des ailes comme une colombe, Psaume 55, David pourrait dire ça, je m'envolerais et je demeurerais tranquille, je trouverais un repos. M'tama fuim loin, m'ta logim dans des EA, c'est ça salmis David dit. La colombe, c'est une belle image de ce qui est encore racheté ici-bas. La colombe, là, c'est l'image de racheté ici-bas. C'est un étranger dans le monde. Et qui a soupi après les demeures célestes, même j'en ai tout qu'il a. Nous étrangers, nous pas qu'à jouer nos repos. C'est celle-là, lâche-là. Colombe, là, t'es qu'à jouer nos repos. Elle voltige pas tout le monde. Elle pas qu'à jouer nos repos. Nous-mêmes, tout, même si on t'a parti dans tout le monde, là, nous pas qu'à jouer nos repos. C'est seulement encore dans la présence de Dieu. Donc, c'est ça, même Jean-Colombe, celle-là, lâche-là. Elle retourne dans lâche-là. C'est elle qu'à jouer nos côtés pour le poser. Alléluia. Donc, pour lui, ce monde plus souillé et plus d'étable, combien il désire s'envoler vers les parvis célestes, vers la Jérusalem d'en haut. Alléluia. Son ornement, c'est la rédemption, dont l'argent est l'image. C'est la justice divine qui lui donne le droit de quitter cette terre. Il est capable d'entrer par les portes dans la cité. Justice qui préfigurait ici l'or vert. Nous avons vu des images de cette justice préfigurée dans plusieurs manières. La justice qui justifie le coupable en vertu du sang de Christ dans la sardoine. La justice révélée en gloire dans la topaze. La justice manifestée dans la personne de Christ dans le monde, dans la chrysolite, et ici, dans la chrysophrase là, c'est la justice qui prend des coupables de ce monde et les introduit dans la Jérusalem céleste. Justice chrysophrase là, il prend tout coupable dans le monde là, pour le mener nous dans Jérusalem céleste là. Et là, encore, ils seront bien l'expression même de la justice, justice visible aux yeux de tous dans un jour à venir. La chrysophrase, couleur jaune-vert. Encore nous sortons dans chrysophrase la dixième fois, encore, nous allons prendre onzième, non, même si il est affiné, mais qu'il pour aller, il faut prendre tous les 12 pieds. Le onzième, c'est diacinthe. Hein. Il y a 7 là, hein. Alléluia. Encore, t'as une gondité tout près, prise au passe là. Couleur, il y a 7 là, son couleur est violette avec des reflets rouges. Pierre qui ornait 11e fondation dans la cité céleste, ça c'est Hyacinthe. Nous trouvons Pierre ça aussi au milieu d'une scène effrayante de jugement dans Apocalypse chapitre 9, verset 17 là, avec du feu et du soufre qui sautillent dans l'image puissante, diable, encore, etc. Et dans ce moment se manifestait la séduction, alléluia, et qui va atteindre ça, qui va rendre hommage aux démons et aux idoles d'or, d'argent, de reins, de pierre et de bois.
Hyacinthe là, c'est une pierre d'un rouge couleur de sang. D'accord, d'accord, un rouge, violet, mais il avait rouge. Un rouge couleur sang. D'accord, il y a une particularité remarquable, sa couleur disparaît quand elle est soumise à l'action du feu. Lorsqu'on mettait pierre ça dans du feu, eh bien, couleur disparaît. Ce n'est pas sans but, sans un but bien défini, que cet esprit nous parle ici de cette pierre. Ceux qui seront introduits dans la Jérusalem céleste auront été délivrés à jamais de toute leur culpabilité. Le jugement qui reposait sur eux et qui aurait dû les atteindre a été porté à leur place par la sainte victime qui, pour eux, a traversé le feu du jugement. Yes. Depuis parler avec du feu, encore toute couleur disparaît. De nouveau, faire contact avec Jésus-Christ de Nazareth, tout péché, toute iniquité, disparaît. Nous venons connaître encore toute l'ardeur de la colère, encore l'été connaître toute l'ardeur de la couleur de tomber sous nous. Nos péchés étaient rouges, comme l'écarlate, encore. Ils devenus blancs, comme la neige. Ainsi que annoncé l'avance des prophètes, Esaïe chapitre 1er 18, qui pourrait parler encore, et encore, venez plaider, dit l'Éternel, si nos péchés sont rouges comme le cramoisi. Alléluia. Donc nous pourrions joindre là encore. Quels pourraient entendre les accusations contre eux? Pas de condamnation, pas de condamnation pour nous. Tous ceux qui étaient, tous ceux qu'ils avaient fait, a pris fin et à tout jamais dans le jugement de Dieu. Personne ne saurait redonner à la hyacinthe la couleur qu'elle a perdue à travers le feu. Des pourpoints couleur hyacinthe là, vous mettez là du feu, couleur violette, couleur rouge sang que le terrain, lui perdit pas de monde qui a baillé couleur ça encore. Nous décevons ça. Ce symbole, alléluia, encore, la hyacinthe, c'est encore pire rouge qui encore le sens ça. Eh bien, nous dit, c'est pas que d'encore, il disparaît. Péché, nous. Depuis, nous venons faire contrer avec Jésus, qui te prend jugement du feu, pour nous. Eh bien, encore, tout péché, nous, yo, pas qu'on a condamné, nous, encore, yo, perdu, yo, pas besoin de retourner, non, mort, jamais. Et dernier pierre, là, c'est pierre, encore, améthyste. Encore, qui ont pierre couleur violette, c'est 12e pierre là. Alléluia, l'améthyste. Alléluia, c'est 12e pierre là. On va chercher les pour nous, tout pour checker dans Bible. Encore, on va chercher encore les pierres précieuses dans la Bible. Et puis, on va le prendre, vous connaissez à bord plusieurs. Et puis, on va le prendre, ça qui marqué bibliquest.net. bibliquest.net. Et pour avoir toute pierre, on a pris l'autre avec explication que ma pébao là. bibliquest.net bibliquest.net. OK. Donc on a pas cherché dernier pierre pour nous, c'est pierre relé améthyste. Améthyste, dans fond tourner derrière, nous j'ai encore dit point pour 1.10. Alléluia. L'améthyste, dernier pierre là, c'est la troisième dans Exode 28 là dans pierre qui était décoré pectoral. Et Aaron, hein, il était en troisième pierre, dans troisième rangée, hein, qui parle pour des significations, yon nan nan. D'accord, nous te baou yon matin, hein, nous pas plus nan nan nan, il a déjà passé, nous te baou nan yon, chaque pierre yon, qui est porté nan yon tribu, mais qu'on y a encore, nous jouons encore dans fondation yon, dans 12 pierres yon, t'étais nan 12 tribu yon, et puis dans 12 fondations yon, yon encore, il va encore porter encore ces fondations pour porter nan des 12 apôtres. Donc nous dit que encore et l'améthyste ça c'est une pierre rare, il a une couleur violette comme des tout, rare, une couleur violette nuancée en rouge. Cette belle couleur rappelle celle de la pourpre dont se revêtaient les grands dignitaires d'autrefois. La pourpre, c'est la couleur des dignitaires, des grands dignitaires. Dans les Écritures, c'est l'emblème de la gloire impériale. La pourpre, c'est l'emblème de la gloire impériale. C'est la cause, c'est la gloire du Fils de l'homme qui doit régner sur l'univers tout entier. En contraste avec l'écarlate qui nous parle de sa gloire comme Messie d'Israël. Mais qu'on est là, nous joignons le mystère de la volonté de Dieu et de mettre toutes choses sous l'autorité de celui que l'homme a rejeté. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. Couronné d'épines et revêtu en dérision. Vous te joignez encore là, vous te passez dans la tête, la caillouette. Et vous te mettez un manteau rouge, couleur poupe sous lui, en signe de dérision, lors du procès.
Il a arrêté lui, encore il voyait là, encore il a fait passe avec moi, j'avais un ballon. Encore Kaïf prend le voyage par Ehoud, Ehoud voyage par Kaïf, back encore, alléluia. So, Ehoud était besoin pour te faire un miracle. Il t'a attendu pour te voir encore, il a parlé d'elle, il faut un miracle, il mettait un manteau rouge pour, il a marié Julie, et puis il a battu, et puis il a dit, devinez sous ce petit bandit, devinez mon qui frappe là, en dérision, so, changer ça. Bientôt, éclatant de lumière et de gloire, il va paraître sous les nuées comme le Fils de l'homme, avec puissance et une grande gloire. Tous les genoux, va fléchir devant lui, et toute langue va confesser comme Seigneur la gloire de Dieu Père. Heureux temps pour ceux qui l'ont aimé pendant son absence, mais pour mais jour de confusion pour ceux qui l'ont haï quand il va venir sur la terre. Alléluia. Yes. C'est ce que c'est ça Amétis la pour proclamer par couleur pourpre là. Alléluia. Les trois pierres que nous venons de considérer, si c'était encore dans cette troisième rangée des pierres du pictoral, sont en rapport avec la gloire du Fils de l'homme. Mais la première avec sa gloire, qui a brillé dans sa parfaite humanité sans péché, seconde là, il est en rapport avec la beauté de sa vie entièrement consacrée à Dieu. Et cela à travers de toutes les circonstances qu'il a traversées, son beauté plus variée encore que les couleurs et les dessins que nous admirons. Beauté qui enfin va briller dans les yeux de tous au jour de son triomphe. Quand il va dominer sur tout l'univers, alors il sera magnifique encore par toute la terre. Il va mettre majesté au-dessus de tous les cieux. Et nous pourrons comprendre pourquoi la métisse là, alléluia, qui est comme, alléluia, le reflet de cette gloire, va trouver dans les ornements de sa glorieuse cité céleste. Mes amis, c'est tout ça, nous te voulons expliquer où encore. Pierre, et grâce soit rendu à Dieu, nous joignons de plusieurs côtés, mais nous joignons qui va nous plus d'explications. Hein. Son jeune de doux pour aller encore dans Google, vous voulez mettre encore les pierres précieuses dans la Bible. Et vous allez chercher ça qui est en bas là, marqué BibliQuest, et vous allez expliquer ça pour vous. Pour vous-même, vous va expliquer le tout. Et encore, c'est comme ça. Côté sous la IA, nous baouli, etc. C'est pas vous donner une connaissance, mais encore le Seigneur montrer nous. Et ça nous vient nous partager la force. C'est ça nous fait. Que bon Dieu bénisse, nous saluons encore Dr. Eddie Jackson, nous saluons encore Marie-Josée Souffrant, nous saluons Charlie Julien, nous saluons Pasteur Rosemont de nos Jésus, nous saluons Solange Louis Saint, nous saluons Pasteur Wesley, c'est là de Bethesda Mendoza, nous saluons Emile Smith, Benjamin Richement Évangéliste, nous saluons encore Priscies Jo, alléluia. Nous saluons c'est Thomas Charles de la République Dominicaine. Nous saluons Gerda Mervi Magueda. Nous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons, alléluia, c'est Marie-Alexandre, c'est William. Nous saluons dans le nom de Jésus Jenny Dempley. Encore c'est encore dans la République Dominicaine. Que bon Dieu bénisse. Alléluia. Nous saluons Yves Rose Estimé. Nous saluons Rose Doudan Michel, qui est exhumé. Nous saluons Marie Lebrun. Nous saluons Saint-Marie d'Orléans. Nous saluons, alléluia, et Stéphanie Vincent. Nous saluons dans le nom de Jésus, Bethune Joseph et toute Bethune. Caroline Cantachalo, Bénite Massena dans Mort, Florida. Nous saluons Roumelange Germain, Sonia Boireau dans Florida. Nous saluons Christina Jean-Pierre dans Brooklyn, la Monique Jean-Baptiste dans Brooklyn. Là, il faut estimer, c'est Ignace. Et puis, Marie Lebrun, Mireille Pousseli, Véli Mariam, Hector, Josie Michel, et nous saluons Marie-Camel, Edouazin, Guerline Paul, c'est quand tout le monde a branché la rue, sans compter ça qui était dans l'anonymat, encore le PPML là. Nous saluons Sheila Morin, et Audeline Saint-Éloi, Marvel Renault qui était en premier. Donc nous remercions tout le monde qui était choisi pour te suivre tout ça. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce à la gloire de Dieu. C'était votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.